Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies pour le mois de janvier 2021, voir ce qui se passe pour vous, pour vos énergies. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite purification avant la séance. Voilà, tout simplement, avant la guidance, pour pouvoir nous canaliser, tout simplement, recevoir les bonnes informations. Ce dont nous avons besoin pour pouvoir travailler ensemble. Donc, on a besoin d'être purifié. Forcément, il y a le changement d'énergie. Les vibrations de 2020 sont en train de repartir en arrière pour laisser place à 2021 qui, en chiffre 5, va nous permettre vraiment l'évolution, l'éveil et le redémarrage pour certains projets. Les Sagittaires, je vous sens donc dans une créativité. On va purifier le jeu. Je vous sens dans une créativité, c'est très bien. Nous allons regarder si cela est positif pour vous ou pas. Quoi d'autre? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, sur l'adresse donc qui est en bas de la vidéo. Je vous propose donc des guidances par téléphone, par Messenger, afin qu'on puisse se voir pour travailler ensemble. Et donc, eh bien, tout simplement, vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez sur mon numéro de téléphone qui sera aussi en dessous. Voilà, eh bien, nous allons pouvoir commencer la guidance pour vous, les Sagittaires. Donc, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les Sagittaires. Moi, j'ai de la nouvelle dans la créativité. Dans certains projets que vous avez mis en place, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles que vous attendez depuis, même depuis le printemps. Donc, ça date et ça dure depuis un moment. Donc, les Sagittaires, Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Sagittaire, janvier 2021, mais vous aussi ça bouge. De toute façon, je pense que ça va bouger pour tous les signes à partir de 2021 et c'est tout à fait normal. Il y a des restructurations qui se font. Obligatoire. Voilà. Alors, il y a des changements de comportement, il y a de la lassitude par rapport à certaines trahisons que vous avez pu vivre, mais vous avez le soleil qui revient là-dessus sans problème. D'accord? Il y a un changement concernant des trahisons que vous avez pu vivre, effectivement. D'accord? Vous avez la bénédiction là-dessus. Ok? Il y a la fin de ces trahisons, des trahisons que vous avez pu vivre, qui vous ont mis dans une certaine tristesse, ces Sagittaires. D'accord? Donc là, c'est la fin. Donc, il y a là vraiment la transformation, puisqu'on a la mort et le soleil. Donc, effectivement, là, il y a vraiment des choses qui se terminent pour vous, pour repartir, effectivement, sur une nouvelle créativité. Et là, c'est flagrant. C'est vraiment flagrant chez vous. C'est comme une coupure sec, sèche, c'est sec. Donc, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour aller vers justement vers le soleil, vers vos projets, votre propre créativité, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, donc énergie générale pour le mois de janvier 2021. Donc, si cette guidance ne résonne pas pour vous, eh bien écoutez, c'est tout simplement que je n'ai pas de message pour vous. Et sinon, eh bien, écoutez, c'est avec plaisir que je vous transmets des messages. Donc, nous avons la force sur le renouveau, effectivement. D'accord? Donc, il y a de la force sur un certain renouveau. Et donc, vous avez la réussite là-dessus. Donc, ça, c'est pas mal. Allez, on continue. Petite information complémentaire pour les Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Janvier 2021. Sagittaire. Merci les guides. Oui, voilà. Donc, il y a du renouveau concernant effectivement des pertes. D'accord? Donc là, il y a la fin. C'est vraiment la fin de certains soucis. Vous changez de cap. D'accord? Et il y a la bénédiction là-dessus. Dès qu'on a la maladie, le stress, l'angoisse. Donc tout ça, c'est en train de partir. D'accord? Laissez partir. Laissez partir les énergies, bon, c'est ce que j'entends, on me répète beaucoup, laissez partir les énergies. Lâchez prise, les Sagittaires. Allez, Sagittaires, pour le mois de janvier 2021, donc nous allons demander des informations complémentaires pour le mois de janvier 2021. Donc voilà, on retrouve l'harmonie, l'harmonie
L'harmonie et le printemps, d'accord? Donc, c'est des énergies là qui se renouvellent assez rapidement pour vous, les Sagittaires. Hein, donc, encore une fois, le changement, comme je vous disais là, vraiment. Alors, si actuellement vous vous sentez dans des énergies encore d'angoisse, de souffrance, hein, vraiment difficile, parce que en fait, on les vit tous, d'accord? On est tous au même niveau actuellement, hein, c'est compliqué pour tout le monde. Donc ce qu'on vous dit, c'est franchement dépasser le cap, garder l'espoir. 2021, à partir de janvier, les choses bougent pour vous positivement, d'accord? Il y a une grande transformation, il y a vraiment quelque chose quand même d'assez impressionnant, et vous allez vous dire, ok, ouais, bon, ben voilà, c'est bon, maintenant je peux lâcher derrière, et j'avance, j'avance, d'accord? Vous lâchez tout ce qui est ruse, tout ce qui est, comment dirais-je, voilà, des personnes rusées autour de vous, hein, donc là, vous les laissez partir, ok? Il y a du changement au niveau professionnel, d'accord? Effectivement, vous laissez partir, moi ça me confirme exactement ce que je disais au début, donc vous laissez partir les gens rusés, d'accord? Pour laisser place à des personnes fidèles, ok? Donc ça, c'est très important. Aussi, on vous dit que vous, si vous avez pu ruser par le passé, on vous dit que vos énergies vont changer parce que vous avez une certaine compréhension des choses, vous avez fait la lumière sur certains obstacles que vous pouviez vous créer vous-même aussi, les Sagittaires. D'accord ? Autrement, il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Tout à l'heure, je vous parlais de créativité, c'est ce que j'ai entendu en premier pour vous, la créativité. Donc, les projets créatifs sont très positifs et lucratifs. Ça, c'est beau, ça. Et avec certitude, cher Sagittaire. Ok ? Allez, on va faire un petit tour au niveau sentimental avec l'oracle des forains. Un petit tour au niveau sentimental. Que se passe-t-il pour vous, cher ami Sagittaire, pour le mois de janvier 2021 ? Hein, une année en 5, donc une année qui roule, hein, une année qui se met en mouvement, on le voit dans tous les signes, donc ça confirme. Là, on nous dit juste des petites choses à laisser partir encore, on est en train d'épurer, on est vraiment en train d'épurer, de se purifier, donc, et surtout garder courage de dépasser là, cette fin d'année, hein, qui peut être compliquée pour certaines personnes, la solitude, l'enfermement, les doutes, etc. Donc, essayez de relativiser un maximum. Et là, on passe à autre chose. D'accord ? Donc, effectivement, là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur vos projets. D'accord ? C'est en évolution. C'est en train de grandir et de reconstruire. Donc là, on est dans le professionnel. Donc, pardon, dans le niveau sentimental. Donc, dans sentimental, hein, c'est en train d'évoluer, hein, de trouver son équilibre. Voilà ce que j'entends. C'est en train de trouver son équilibre. Alors, au niveau sentimental, pour les Sagittaires, janvier 2021. Donc, effectivement, hein, là, vous êtes en train de construire pour aller vers vos objectifs. Hein, d'accord ? Alors, pour certaines personnes, Sagittaires, donc vous sortez d'un état un petit peu dépressif. Hein, un état où vous vous êtes un petit peu laissé aller dans des... Voilà, après c'est à vous de voir de quoi je veux parler, je pense que vous comprenez. Donc là, c'est en train de partir cette énergie où, voilà, hein, des dépendances, du mal-être... voilà, donc on vous dit de les laisser partir, ces énergies-là. On va demander une synthèse, ouais. Couper, alors, au niveau sentimental, couper avec certaines addictions. Hein. C'est difficile, hein, c'est difficile pour vous, parce qu'il y a une forme de... vous aimez la légèreté, vous aimez, voilà, hein, le Sagittaire aime, voilà, la vie, hein, voilà, mais il y a des... Comment dirais-je ? Faut essayer de trouver l'équilibre. Hein. On vous dit d'essayer de trouver l'équilibre pour pouvoir réellement construire une belle relation. D'accord ? Ouais. Encore une fois, on a de nouveau hein, l'équilibre. Donc, c'est important pour éviter à chaque fois
de repartir dans de la stabilité, en fait, hein, ce que j'entends. C'est un peu votre challenge pour le mois de janvier 2021. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas de me mettre un petit commentaire. Hein. Voilà, parce que, en fait, moi, j'ai de la confirmation. En fait, c'est au niveau sentimental, s'il y a toujours cette instabilité en vous, hein, là, je parle en vous, hein, eh bien, on ne va pas jamais au fond de la relation, en fait. On ne va jamais au fond de la relation. Et du coup, là, ce que vous souhaitez, enfin, voilà, pour moi, c'est ce que vous souhaitez, c'est quand même d'avoir un équilibre sentimental pour pouvoir effectuer certains projets ensemble et de renouveler un amour, hein, d'être dans un nouvel amour, mais qui soit protégé de relations superficielles. Hein, ce que j'entends pour vous. Les Sagittaires, pour enfin trouver un foyer équilibré, tranquille. Hein. Voilà, hein, je pense que c'est tout ce que tout le monde désire. Ce que tout le monde désire. Pour vous, les Sagittaires, je vais vous donner un petit message. J'entends des archanges. Alors, je vais juste mettre mes lunettes parce que la lumière, c'est pas... Enfin, mes yeux. Alors, donc, un petit message des archanges, donc pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2021. Quel est le message pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2021? Oh, ben, ah ouais. On a dégagé votre espace, les Sagittaires. Donc, avec l'archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Voilà. Donc moi, ce que j'entends, en fait, c'est de nettoyer bien ces énergies du passé, d'accord, ces énergies, en fait, qui font que ça va toujours dans la fin un peu tragique, quoi, la fin un peu... voilà, parce que il y a une purification d'énergie à faire, à vous mettre en conscience, de vous dire, voilà, j'ai fonctionné pendant un certain temps de cette façon-là. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a des choses à laisser derrière, à laisser partir. On est vraiment dans ces énergies de nettoyage, d'épuration. Donc, c'est pour cela que là, il y a encore un petit peu ce travail à faire pour vous, de nettoyer justement ces énergies toxiques. Hein, toxiques qui peuvent vous rendre la vie dure et en fait ça peut être vous-même qui vous la rendez dure sans vous en rendre compte. Je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année. Si vous souhaitez une consultation, donc n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous accompagner et je vous dis à très bientôt et merci pour votre bienveillance. Au revoir.